Hello, and a very warm welcome to today's iCentED Connect, where we'll be talking about schistosomiasis in partnership with the Global Schistosomiasis Alliance, the GSA. And more specifically, we'll be taking a closer look at some really exciting work in rapid diagnostic tests for the detection of schistosoma, and all importantly, on their implementation, with some really interesting applications on the future of MDAs in this field, particularly moving towards surveillance and elimination, and also thinking about slightly more vulnerable groups such as pregnant women and under five-year-old children. So today, it's my very greatest pleasure to warmly welcome our three speakers. We'll be hearing a lot more about diagnostic clinical trials for schistosomiasis, and more particularly focusing on the example of Free Billy. Many of you, I'm sure, will have heard of Free Billy. Free Billy is the fast and reliable, easy to use diagnostics for eliminating bilharzia in young children and mothers, and is an international consortium focused on implementing and evaluating new schistosomiasis diagnostic strategies. So to tell us about this today, it's our huge pleasure to welcome, first and foremost, in order of presentation, Dr. Govert van Dam. Hello, Govert. Hi, Marianne. Nice to see you here, Govert. You're representing the Leiden University's Medical Center based in the Netherlands. We will then hear from Dr. Josiane Hogpenhegyi. Dr. Josiane, bonjour et bienvenue. Bonjour, Marianne. Pour représenter aujourd'hui le Centre de recherche médicale de l'Embarrené, le CERMEL, au Gabon. Josiane is representing the Center for Medical Research in L'Embarrené in Gabon. Merci de vous joindre à nous. And our third speaker, it's my very big pleasure to welcome Marie-Janine Solonirina. Bonjour, Janine. Bonjour. Bienvenue à vous. Et vous représentez aujourd'hui, you're representing the Department of Microbiology and Parasitology at the University of Antananarivo in Madagascar. Bienvenue. Bienvenue à tous. Bienvenue. As you may have noticed, today's webinar will be bilingual in French and English. There is interpretation available, and this can be accessed using the small icon at the bottom of your screen. It's a little circle. It looks like a globe, and it does say interpretation. So please do go ahead and choose a French or English channel. Pour les francophones qui se joignent à nous, vous avez pu remarquer peut-être l'événement, le webinaire aujourd'hui est disponible en français et en anglais. Pour la version française, n'hésitez pas à cliquer sur le symbole interprétation en bas de votre écran. C'est un petit globe qui se trouve en bas à droite. Voilà. So once again, from all of us here at the iCentED and everyone at the GSA, we thank you for joining us today. We welcome you very warmly. And without any further delay, I'm going to hand over the floor to our speakers. And first and foremost, to you, Govert. Okay, thank you very much, Marianne. Let me see if I can get the screen shared. This should be it. Are you seeing my full screen? Absolutely. Okay, good. Thank you very much. And also from my end, welcome to all who are viewing this seminar. I'm going to give an introduction on the Free Billy project, the origin, the background, and some on the diagnostics. And after that, the floor will be given to two of the country coordinators. First of all, the project is run by a consortium of eight partners, whereof three in Madagascar, University of Antananarivo, University of Fianarantsoa, and Centre d'Infection Charles Mérieux, Centre CERMEL in Gabon, Tübingen University in Germany, Bernard Nocht Institute in Germany, and IS Global in Spain. And it is all funded by the EDCTP second program.
what is the background of the project? The background is found in schistosomiasis control and particularly addressing a number of items that were considered to be problematic in the current control programs. First of all, the control programs are heavily based on treatment with praziquantel, generally 40 milligrams per kilogram. It's considered to be preventive chemotherapy. It's given to all school-age children and adolescents who are in endemic areas. It's also called mass drug administration, and the goal is to reduce morbidity and eventually elimination of schistosomiasis. Within these programs, a number of vulnerable groups are not addressed, which are, for instance, pregnant women, infants, preschool-age children, or some occupational exposed people, and those people are often excluded from control programs. And the number of studies in the recent years showed that the disease is more prevalent in mothers and young children than originally thought, which considered also a continuing risk of transmission for schistosomiasis when they are not treated, and obviously also an increased risk for schistosomiasis-related morbidity. So as there are genital schistosomiasis and hepatosplenomegaly, as well as others. And there is also a risk of poor infant outcomes if the children are not treated, for instance, premature delivery, low birth weight, and poor growth and cognitive development. So to address all these needs, there are also studies on praziquantel which show that it is safe to treat those groups, but it is not happening, mostly because it's not known whether those people are infected or not. And there are some side effects of praziquantel, and generally people do not want to unnecessarily expose people, those kind of groups, to praziquantel. So what we have done in preparing for the Free Billy project is to develop an alternative strategy where treatment is based on positive test results, so-called test-based treatment. And that is basically the core of the whole Free Billy project. For that, there is a need for more sensitive and accessible diagnostic tests that can be easily used in the field. And that will result in a better treatment coverage, because we will treat those people who are having a confirmed positive diagnosis. A little bit about the disease. For those who are not familiar with schistosomiasis, this is a drawing of the schistosomiasis life cycle done by in one of our projects in Côte d'Ivoire by the children in the project. What we see is, let me check the laser pointer, so you might see my laser pointer. The adult worm, schistosome worms, are living in the host, in the human host. And when they have been paired, they excrete eggs, which enter the surroundings, so the water by through the feces and the urine. From the eggs comes a larvae that enters the snail. Out of the snail comes a larvae that enters then again through the skin when people are in the water, and eventually in a couple of weeks develops again in an adult worm. This is a very short representation of the life cycle, and the diagnosis in the field is mostly still done by microscopy and making visible the parasite eggs that are then present in stool and urine, and for intestinal schistosomiasis, the so-called technique of Kato-Katz is used, where microscope slides are made from stool. And for in urogenital schistosomiasis, urine is filtrated and eggs are deposited on a filter, which is then visualized under the microscope. Already in the 70s, there was a need recognized by WHO to further promote research on diagnosis, and as well as other approaches to control the disease. And in our lab, my former professor and late Professor Deelder engaged in this endeavor by using methods to detect antigens, schistosome antigens. They were released in the circulation from the worms, which is made visual in this
in this graph, in the blackish material that is regurgitated from the mouth of the parasite. And in this blackish material, the so-called CAA and CCA antigens are found. And this was already discovered in the late 70s. Since then, there have been multiple assay formats developed, and many papers have been published, as well as a number of PhD theses written. The antigens are characterized by their electrophoretic mobility, meaning that the CAA moves towards the anode in immunoelectrophoresis. That's why it's called anodic antigen, and CCA is moving towards the cathode, why it's called the cathodic antigen. They have a very different molecular structure, so they are really very different antigen, although the names are similar and a number of characteristics are shared, but they are essentially highly different antigens. In this slide, it's made visible that the antigens are excreted into the circulation. This is a slide of a liver of a hamster in which the greenish fluorescence is representing CAA that is excreted by the worm in the veins of the host. And again, another representation of the cycle to make very clear to you that what we are doing when we detect these antigens is we are detecting the presence of adult worms in the host. While other techniques are focusing on detecting other parameters, we are detecting on the antigens in the human host. So a little bit more about the CCA and CAA detection diagnostics. As general characteristics, I have given a list here. Both are now developed into lateral flow strip assays, which are potentially or already field applicable and highly user friendly. They are highly sensitive and specific antigens, and the antigens are released assays, specific assays, and the antigens are released early in active infections with the schistosomes. Within a couple of weeks, it's possible to detect the antigens already. After successful project control treatment, the antigens are cleared quickly within days and weeks after the treatment, and they can be easily detected both in serum as well as in urine. Because of the polysaccharide nature, they have a very high structural stability, which makes it very easy to handle the samples. And the levels of the antigens that are detected reflect the burden of the worms in the host. First, a little summary of the CCA assay. The CCA assay is now available as a POC test, point of care test, POC-CCA, quite well known. It's commercially available through a company in South Africa, Rapid Medical Diagnostics. It uses urine as a sample. A few drops of urine is sufficient. That makes it also highly field applicable. With a number of calibration and standardization methods, it can be measured in a semi-quantitative way, but it is predominantly useful for S. mansoni because the other species excrete a lot less of the CCA. And in the WHO guidelines of 2022, it is recommended as a test for intestinal African schistosomiasis. Then about CAA. CAA is, as we call it, it's a UCP-LF CAA laboratory test. UCP stands for up-converting particles, which means these particles have a specific characteristic of up-converting the light, but that means that we cannot measure them, cannot see them in with our naked eyes. We need a reader, a strip reader for measuring the assays. LF stands for lateral flow. This test is a highly specific and ultra-sensitive test and allows full quantitative measurements of the antigen. But as said, we still need the sample prep and the strip reader, and as such, it is still a laboratory-based assay. The antigen can be measured in urine as well as in serum, and this one has no limitation for schistosome species. It can be detected in all of them, including all the veterinary species as well. And to the right is a short representation of how the assay is done. And to show a few findings, we have applied this assay in a number of near elimination settings in different countries of the world with different species. And what is clear from all our studies that while the current methods of detection of eggs in urine
show very low percentages of prevalence. If we are using the CAA urine assay in this case and detect the prevalence based on using that assay, then you see that all the prevalences are way higher than what was estimated by just the X in the urine or the stool. Another assay also based on detection of CAA is now in development under the leadership of FIND in Geneva with a lot of partners from all over the world. This development has started in 2018-2019, and the goal is to develop an RDT, rapid diagnostic test, which is meant for field use. It's designed to use finger prick blood and is just a one-step test, visual red. It's also applicable for all schistosome species, and the goal is to support monitoring and evaluation control programs in schistosomiasis, and currently it's evaluated in field trials. And so we come to the Fribili project, where we use this CAA and CCA-based diagnostics to address bilharzia in this specifically vulnerable group of young children and mothers. The consortium exists of the partners I already showed. In Leiden, we coordinate the project. In Germany, in Hamburg, and in Tübingen, there are supporting they are supporting the field trials by data management and capacity building. And there are two clinical trials, one in Madagascar, led by the University of Antananarivo and Fiona Ransoa, with lab support from CACM. And the other clinical trial is carried out in Gabon by the Centre de Recherche Médicale de la Marina, CERMEL. And the whole project is supported also by IS Global for determining the cost effectiveness of the interventions. And then the general objective of the project is to evaluate the sensitivity and specificity of CAA and CCA antigen tests for detection of S-mencinine S hematobium infections in pregnant women, mothers, and young children, and to assess their potential as a schistosomiasis control tool in test and treat strategy. It's a whole mouthful, and it will be further explained in the clinical trials that are described by my other two co-speakers. So this is worked out in a clinical trial in Madagascar, in Gabon, and we also do a little bit of test improvement still in Leiden, but I am not going to further talk about that. So through this, I'll give the word back to Marianne and to my co-speakers. Thank you so much, Govert, for this really this range of invaluable updates on these diagnostic tools, current and also hopefully coming soon, particularly in this time of increasingly heavy focus on specificity and sensitivity. So some really exciting work. Thank you very much. Now we're looking hugely forward to some updates from the in-field and country programs. And so without any further delay, it's my pleasure to hand over to you, Dr. Josiane, and we'll be hearing a lot more from your work in partnership with the CERMEL in Gabon. So thank you. Thank you, Mariam. So I will try to share my screen now. Have you seen my screen? Yes, very clearly. Thank you. Okay. So I will switch in French. I will not speak English like Rovet, but I will talk in French. Le projet de Fribili au Gabon est focalisé sur la performance de la mesure de l'antigène anodique circulant dans l'urine et le sang comme outil de diagnostic de l'infection à schistosoma hématobium chez la femme enceinte et de l'enfant à la marinée. Donc,
Le Gabon, comme vous savez, c'est un pays de l'Afrique subsaharienne avec environ 2,1 millions d'habitants et très endémique à schistosoma hématobium avec une prévalence variant entre 9 et 45% selon une étude rapportée à l'Embarené. Selon la couche infectée, c'est-à-dire les enfants et les femmes enceintes qui sont à risque pour cette infection. Néanmoins, la schistosomose est aussi associée à une diminution du taux de cholestérol chez les personnes obèses, une étude qui a été rapportée également à l'Embarené, comme quoi les infections helmintiques, c'est-à-dire la schistosomose, n'est pas uniquement néfaste, mais a aussi certains effets qu'il faudrait prendre en compte dans le cas de la schisto. Mais dans le cas particulier de Fribili, schistosoma hématobium est néfaste pour les femmes enceintes et pour leurs enfants. L'étude est conduite au CERMEL, le CERMEL qui est un centre de recherche médicale qui est situé à l'Embarené et depuis des années qui conduit des études épidémiologiques et interventionnelles, médicamenteuses et vaccinales dans les domaines tels que celui du paludisme, des maladies tropicales négligées, de la TB, comme un vaccin en ce moment qui est en cours prime à l'Embarené, sur les virus également, et comme vous savez, dans le domaine du paludisme, on a le vaccin contre la RTS, le vaccin contre l'ankylostome hookworm, qui est un vaccin qui a été testé également à l'Embarené. Et un large éventail de maladies infectieuses qui est évaluée également, qui est étudiée à l'Embarené. Dans ce cas, nous avons la schistosomose chez la femme enceinte. C'est dans ce cadre que nous parlons de schistosomose chez la femme enceinte, d'où le projet Fribili. Et comme Rovette a parlé tout à l'heure, la femme enceinte est à risque pour la schisto, où nous remarquons un déficit, où on a un déficit de nutrition chez cette femme enceinte qui serait infectée par schisto. Elle pourrait être anémiée et la schistosomose due à sa chronicité pourrait engendrer la schistosomose génitale féminine, voire le cancer chez les femmes en général. Mais chez les enfants, nous assistons à un petit poids de naissance, une susceptibilité aux infections, une faible réponse vaccinale pour ces enfants qui naissent des mères infectées par schisto. Mais à ce jour, il n'existe pas de médicaments, il n'existe pas de vaccins. Il n'y a qu'un seul traitement qui est le praziquantel utilisé à ce jour et peu de données scientifiques existent chez la femme enceinte pour le praziquantel. Une étude menée aux Philippines et une autre menée en Ouganda sont publiées et qui donnent des informations adéquates sur le praziquantel, mais il reste à faire pour avoir des données importantes sur le praziquantel chez la femme enceinte. Comme vous savez, lors des traitements de masse, les femmes enceintes sont généralement exclues de ces traitements de masse, ce qui fait que les femmes enceintes ne sont pas prises en compte dans le cas de cette infection. Alors, pour diagnostiquer cette infection, la filtration urinaire est utilisée. La filtration urinaire, la détection microscopique des œufs par filtration urinaire peu sensible et non systématique lors des consultations prénatal. Ce qui fait qu'il y a un besoin de nouveaux outils de diagnostic hautement sensibles et spécifiques, d'où l'utilisation de ce test qui est en cours en ce moment d'évaluation à l'Embarené, le UCPLF-CAA, dont venait de décrire complètement le docteur Rouvet tantôt. Alors, dans ce cas, il y a la stratégie de tester et de traiter pendant la grossesse, ce qui permettrait de réduire les effets néfastes de schisto chez la femme enceinte. Alors, l'objectif global de cette étude à l'Embarené, qui est menée à l'Embarené et dont nous avons publié le protocole, est d'évaluer les attitudes de la mesure de CAA pour déterminer le statut infectieux à schistosoma de la femme enceinte et de sa progéniture comme un outil de diagnostic et de critère d'évaluation des essais d'intervention médicamenteuse et vaccinale. Cette étude est menée à l'Embarené. L'Embarené est une zone très hydrique située à cheval sur l'équateur. Comme vous savez, le Gabon est situé à cheval sur l'équateur, mais l'Embarené plus précisément. Donc, c'est une zone très endémique pour des parasites tels que le plasmodium, les helminthes, les filets, les parasites de l'ulcère de Biruli, etc. La pêche et l'agriculture sont les activités les plus développées dans la région
Et le CMEL, dans ses recherches cliniques, travaille avec l'hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné, le centre hospitalier régional de Lambaréné et le centre communautaire de santé de Lambaréné, où nous recrutons les femmes enceintes pour cette étude. Vous pouvez voir le concept de l'étude qui est ici sur ce diapo, où nous avons dans cette étude 1000 femmes enceintes doivent être recrutées dans l'étude Fribili à Lambaréné au Gabon. Et cette étude, le concept de cette étude, c'est Fribili à Lambaréné est un ensemble de 3 sous-études, c'est-à-dire la sous-étude A, B et C, basée sur différents objectifs spécifiques. La sous-étude A, qui est une étude de référence pour faire le diagnostic de schistosoma hématobium avec ces différentes techniques, et la sous-étude B, qui est un essai clinique pour permettre de traiter les femmes enceintes pendant et après la grossesse. Ceci permettrait de savoir, d'évaluer l'efficacité du praziquantel avec cette technique de UCPLF-CAA que nous sommes en train d'utiliser. Enfin, la sous-étude C, qui est une étude prospective longitudinale où nous faisons le suivi des enfants recrutés, les enfants issus des femmes enceintes recrutées dans cette étude. Alors, les femmes enceintes, le processus au niveau de Fribili dans Lambaréné est de recruter les femmes enceintes en âge dont la grossesse âgée de 16 à 30 semaines d'aménorrhée lors des consultations prénatales dans ces 3 différentes structures que je venais de citer tantôt. Après une sensibilisation de ces femmes, le consentement éclairé signé par ces femmes si elles sont d'accord pour participer à cette étude, elles sont incluses dans l'étude. Ensuite, on collecte les informations démographiques chez ces femmes, leur état de santé en général, l'état obstétrical de leur grossesse et la collecte des échantillons qui se fait. La collecte des échantillons, nous collectons le sang, les urines, les selles, mais ceci pas le même jour. Le même jour, le premier pot d'urine peut être collecté, suivi du deuxième et du troisième jour, vu que pour le diagnostic de schisto, il faut collecter 3 pots d'urine successifs. Après cela, le diagnostic est fait et alors la femme est entrée dans la sous-étude B si elle est positive à schisto. Alors, elle est randomisée, cette patiente participante est randomisée. Nous traitons ces femmes 7 jours après avoir reçu le résultat, 7 jours après avoir reçu le premier pot, c'est-à-dire si elle est positive. Lors de ce traitement, c'est un traitement sous observation, on traite sous observation, on évalue, on collecte les informations, les effets secondaires dus au praziquantel chez cette femme, 1 heure de temps après et 48 heures après. On collecte également le sang pour pouvoir évaluer l'état hématologique de la femme. Le suivi est fait en collectant les échantillons chez cette femme. Le premier jour de traitement, le deuxième, le quatrième et le sixième jour, après avoir traité cette femme et après une fois par semaine du deuxième au septième, à la septième semaine après le traitement, les urines sont collectées. Et vous pouvez remarquer sur ce diapo que les accès sont tellement difficiles, les localités, les endroits où ces femmes vivent sont difficiles d'accès, mais c'est ce qui est fait, on est obligé d'y aller parce qu'elles viennent à la consultation prénatale, mais nous devons aller vers elles pour pouvoir collecter les échantillons et faire le diagnostic. Les travailleurs de terrain sont toujours en train de traverser les rivières, les fleuves, pour pouvoir collecter, récupérer ces échantillons qui permettent de faire le diagnostic. Enfin, on a la sous-étude C après accouchement, où la père-mère-enfant est suivie de 6 mois jusqu'à 2 ans de vie de cet enfant, pendant laquelle le diagnostic systématique des maladies infectieuses, tels que le paludisme, les helminthes également, le diagnostic des helminthes est fait. Les données nutritionnelles sont collectées chez ces enfants et ces mères, et les données sur la croissance du nouveau-né, le statut vaccinal, vu qu'il y a des mères qui sont réfractaires et qui n'ont toujours pas le temps, qui n'ont pas très souvent le temps d'aller faire vacciner leurs enfants, ce qui est très important pour la santé de l'enfant. Alors, le diagnostic de schisto est fait comment à Lambaréné? Nous faisons le diagnostic par filtration urinaire pour la détection microscopique des œufs.
le test de détection rapide en utilisant le test POC, le test rapide au POC pour détecter le CCA, le qPCR F1 également pour détecter l'ADN de ces parasites. Et ensuite, enfin, on a la détection de l'antigène anodique circulant dont nous sommes en train de parler, que nous détectons dans l'urine et dans le sérum. On détecte également les anticorps, l'anticorps dirigé contre le soluble antigène, le SEA, qui est aussi analysé avec le lecteur et la brosse qu'on utilise pour la détection des CAA dans cette étude. Vous pouvez remarquer aussi qu'on ne fait pas seulement le diagnostic de schisto, on essaye également de faire le diagnostic des autres parasites qui pourraient parasiter cette femme enceinte, où on parle de co-infection. On fait également, on parle de diagnostic de géo-helminthe, des protozoaires intestinales, des filaires et aussi du paludisme. Ceci permet de savoir quelle est la prévalence des co-infections dans la région, vu qu'un polyparasitisme est très néfaste pour une femme enceinte. Alors, enfin, pour cette étude Fribili à Lambaréné, nous avons des critères d'évaluation suivant chaque sous-étude, les performances de tests UCPLF, CAA, dont la sensibilité, spécificité, etc., le taux de réduction des œufs et le taux de réduction de CA avant et après traitement du praziquantel de la femme enceinte avant accouchement ou après accouchement, la prévalence des infections de schisto chez les nourrissons de moins de 2 ans dans cette zone nous permettront de pouvoir évaluer notre étude à la fin de l'étude. Je ne vais pas finir sans parler de l'impact de Fribili dans la région et sur les... Et du renforcement de capacité que le projet Fribili a permis de faire. De par le projet Fribili, il y a eu le renforcement des capacités par la formation sur les techniques de laboratoire, des bonnes pratiques cliniques et de laboratoire pour le personnel, et un développement de réseau avec les partenariats via le réseau du consortium de Fribili, la mise en place de l'évaluation et du suivi des maladies infectieuses, du suivi de ces femmes enceintes dans les CPN à Lambaréné. Ces femmes qui sont souvent réfractaires quand elles viennent une fois, la deuxième fois, elles ne viennent plus en consultation. De par le projet Fribili, nous essayons de ramener ces femmes à la consultation prénatale pour leur permettre un bon suivi avant accouchement. Le suivi aussi de ces enfants pour évaluer l'état de santé de ces enfants et on a mis en place également des outils de suivi pour la régularité des femmes enceintes dans les CPN. L'évaluation des effets de la schistosomose sur la nutrition de la femme enceinte et sur le nouveau-né, de son impact sur le nouveau-né sont en cours. Des études qui permettront d'évaluer sur le plan du suivi de ces femmes dans la région santé centre de Lambaréné et qui impactent également le pays. Je finis en remerciant le bailleur de fonds EDCTP, les partenaires de ce projet et surtout les femmes enceintes qui ont accepté de participer à cette étude, les équipes de terrain, les collègues équipes de terrain, les field workers, les travailleurs des laboratoires et la coordination. Je vous remercie. Et c'est à notre tour, Dr Josiane, de vous remercier aussi énormément. Je repasse à l'anglais pour éviter que nos participants aient à sauter entre les différentes interprétations. So I'm just hopping back to English. A huge thank you to Dr. Josiane for this really important update from Gabon, and particularly for right from the onset kind of placing this issue of diagnostics in the wider framework of primary healthcare, links to, you know, schistosomiasis and cancer, female genital schistosomiasis, but also in terms of child and infant health, links to vaccination, also poor growth and weight gain. So just maybe we can come back to that a bit later around this issue and these notions of diagnostics for all as part of a wider public health kind of approach to the affected community. So thank you very much, Dr. Josiane.
And now, just before we move on to our last speaker, I'm sure many of our attendees and audience have got lots of questions for the speaker. So by all means, we're about to move on to our discussion after the third presentation. So please don't hesitate to post any questions you may have or thoughts or even experiences from your own work. That will take place in the chat button. It's at the bottom of your screen. So please do go ahead and post any thoughts you may have there. And so finally, I would love to hand over the floor to our third speaker and welcome Janine Solo-Nirina. Bonjour Janine, ça va être à vous à présent. Et merci pour votre présentation. Vous allez partager avec nous le travail qui a été effectué dans ce contexte en tant que partenaire de FreeBilly au département de microbiologie et parasitologie à l'université de Antananarivo à Madagascar. Donc, à vous, Janine, et encore merci beaucoup. As you might see, Janine's connection's a bit weak, so the video is slightly blurred, so apologies for that, but that's the reason, so thank you. Oui, merci Marianne de me donner la parole et merci à Govert et à Josiane pour les belles présentations. Donc, bonjour à tous. Donc, j'ai l'honneur de vous présenter ici une facette des activités sur terrain pour FreeBilly. Donc, pour passer, on va parler. Une petite introduction sur FreeBilly à Madagascar. Et dans le contenu, je vais vous partager notre expérience sur les activités sur terrain. Donc, comme vous le savez, je suis Marie-Janine et je suis un médecin qui vient de sortir de l'école de médecine en 2020. Et dans mon thèse, était sur la bilharziose, c'est les enfants de moins de 15 ans. C'est pour ça que je me suis intéressée à FreeBilly depuis 2018. Donc, on va parler d'abord de la schistosomiase à Madagascar. Donc, à Madagascar, deux espèces existent dans notre île, dont la schistosomiase urogénitale causée par l'espèce Schistosoma hematobium et intestinale l'espèce Schistosoma monsoni. Et on voit sur ces slides la répartition ici selon l'espèce. Ici, l'espèce à Schistosoma hématobium qui s'est réparti sur la partie ouest et le sud de Madagascar. Et par contre, l'espèce Schistosoma hématobium qui sont surtout répartis sur la version est et centrale de l'île. Et la prévalence de la schistosomiase varie selon la température et la géographie de la grande île. Et on voit ici qu'il y a une haute prévalence, surtout sur le versant ouest et sud de l'île, qui sont causées surtout à cause de la température qui dépasse les plus souvent le 25 degrés C. Et sont moyennes ici sur la partie centrale. Par contre, sur le versant est, on voit bien une rare faction, si on veut dire ça, du taux de prévalence. C'est à cause du position géographique, l'humidité et la zone forestière sur la partie est. Donc, comme nous savons tous, donc, il y a une étude en parallèle donc, dans FreeBilly à Gabon et FreeBilly Madagascar. Et la FreeBilly à Madagascar, notre objectif, c'était d'évaluer les impacts du traitement de l'argiose qui est basé sur les traitements pour les enfants et les femmes enceintes.
Et dans ces cas, nous avons de la mère, ainsi d'évaluer aussi la croissance de l'enfant. Donc, notre projet Fribili à Madagascar s'est réparti dans trois régions, dont Amour-Mali, qui sont régies par l'université de Fianarantsoa, et deux régions, Bundla Vitas, sous la supervision de l'université d'Antananarivo. Donc, au total, nous avons 42 sites qui sont répartis à égal pour un centre de contrôle et centre d'intervention. Donc, pendant les activités, donc, nous avons cinq visites, dont le recrutement des femmes enceintes en premier pendant le 5 au 6e mois de grossesse. Ensuite, la deuxième visite au 8e mois de la grossesse de la femme et la troisième visite pendant l'accouchement, où là où on va commencer à introduire l'enfant, et la quatrième visite à la 9e mois de l'enfant et la dernière visite au 24e mois de l'enfant. Donc, voici ce que les types d'activités nous exécutons au niveau du terrain. Donc, il y a le visite là où on collecte les données démographiques ainsi que les renseignements concernant les femmes et l'enfant. On fait aussi les mesures de l'hémoglobine pour la mère, les tests rapides de POC-CCA, le traitement des cas positifs et les mesures de la taille et du poids de l'enfant. Donc, quand nous avons les échantillons, principalement composés de l'urine, du sang et de sel, donc nous effectuons des tests sur terrain et aussi au niveau de laboratoire. Donc, il y a l'UCP-CF antibody assay, l'hémoglobine maternelle, le POC-CCA, le PCR et la microscopie. Donc, voici un aperçu général de notre suivi sur le terrain. Donc, depuis le début, donc, nous avons recruté 5115 femmes, dont on arrive là maintenant presque à la fin de la visite, à la 24e mois, où nous avons jusqu'ici 3317 femmes. Et nous attendons encore 1189 femmes pour les visites T4. Donc, pendant ces recrutements et ces suivis, donc, nous avons communiqué des renseignements et des formations pour nos sages-femmes à travers des sites, et aussi avec les AC, et gérer les femmes enceintes et leurs enfants selon les règles de bonne pratique clinique, ainsi que d'apporter les cas des événements indésirables liés ou non au traitement de praziquantel, et de garder aussi l'œil sur la qualité de la base de données entre les sites et les terrains. Donc, c'est un réel défi pour c'est vaste et nous avons rencontré plusieurs expériences vis-à-vis de la distance, des insécurités, les niveaux d'éducation de la femme et ça nous a permis d'avoir réelle expérience sur le POC-CCA vis-à-vis des femmes. Donc, grâce à Fribili, nous pourrons jusqu'ici avoir une
partie sous études qui était subventionnée par l'ISMH. Pourquoi? Parce que les enfants de moins de 5 ans ne sont pas inclus dans le traitement de masse proposé par les organisations. C'est pourquoi nous voulons avoir une vue de la transmission de la schistosomiase chez les enfants au niveau des centres de santé. Donc, sur cette étude que nous allons voir, basée sur les études précédentes, donc nous avons effectué des groupes, des discussions de groupe basées sur les connaissances sur la bilharziose, la transmission et la sensibilisation. On a aussi utilisé des questionnaires structurés et nous avons fait des observations sur le site. Et d'après ça, nous pourrions avoir une large estimation sur les comportements à risque des femmes et des enfants moins de 5 ans. Et ça nous a permis de renforcer notre esprit d'équipe, d'avoir une bonne relation avec les équipes de terrain. Et pour ça, je veux remercier les équipes de l'Université d'Antananarivo et ainsi que l'équipe du CICM et du BNTN. Sur ce, je remercie de votre attention. C'est nous qui vous remercions beaucoup, Janine. Merci énormément de tous ces éléments que vous apportez de votre travail à Madagascar. Je repasse donc à l'anglais. I'll just swap over to English now. Just in time to take a few moments and perhaps ask our speakers some questions and also have some of the questions that have come up in the Q&A tab answered. And first and foremost, I just wanted to pick up on that really interesting slide in Janine's presentation, looking at some of the challenges, some on a very practical level of conducting such clinical trials. For many, clinical trials are more synonymous with treatments rather than diagnostics. And so perhaps the first question we'd like to ask our three speakers is, what were some of the challenges that you experienced, particularly related to clinical trials of diagnostics? And also, please feel free to go as much in the detail as you want or as you can, based on the country or the species that you were focusing on. We'd love to hear your feedback. Perhaps go over it if you'd like to answer first. I'll just go in order of the speakers. Okay, thank you. Thank you very much, Marianne, and it was also really nice to see the clinical trial presentations or the presentations from the clinical trials themselves and see how the colleagues are doing that and how things are run. Of course, we know a bit, but it's always nice to see an update on that. Yeah, the challenges of a specific diagnostics clinical trial, besides obviously obtaining the funding for such a trial, I think it's more like the awareness of funders that such trials are very much needed in order to get the diagnostics properly evaluated and in the consequence of that also accepted by the organizations that eventually do recommend it, like WHO. For instance, the rapid test, the POC-CCA, was first of all developed as a laboratory test, and then it started as a commercially available test, but it has been mostly used in all kinds of research studies and not in the proper clinical trials as we are doing now in the Fribili study. And I think, besides there are a lot of other hurdles, that has sort of
been a limitation for the acceptance of the international community as well as the regulation authorities to properly accept a test like that. While it was always developed or always evaluated as a very good test in all kind of research studies and field studies, it took a long time before WHO put it on the agenda. So I think that, for instance, this kind of studies like the clinical trial that we are doing now, as well as the trials that are being done with the development of the CAARDT, are highly under the leadership of FIND, are highly relevant to do. In general, a clinical trial where you do not really cause any damage to the are not applying invasive techniques to the participants are not that easy to get, are not that difficult to get permission for, because I mean that is relatively easy to say so. So I don't consider that as a major hurdle, but it's more like awareness of the funders to conduct such a trial. Thank you so much. Great answers. Josiane, à vous. Je vous répète la question. Oui. Et vous êtes, votre microphone est coupé aussi. Je reprenais juste la diapositive de Janine dans votre présentation sur les challenges de ces essais cliniques. Et donc, si vous pouviez nous donner un petit peu plus de détails pour... souvent, on pense aux essais cliniques, bien sûr, dans le contexte de traitement. Mais si nous parlons de diagnostic, s'il y a des challenges qui sont liés spécifiquement à cela. Et aussi, n'hésitez pas à rentrer dans le détail de ce qui peut être particulier au Gabon ou à votre expérience dans d'autres pays ou contextes. Merci. Merci. Alors, je dirais que les challenges que nous rencontrons généralement dans le projet FreeBilly, ça concerne les femmes enceintes qui ne veulent pas, principalement les femmes enceintes, elles sont réfractaires quand vous retournez la deuxième ou la troisième fois pour prendre le pot d'urine. Il ne suffit pas d'un seul pot d'urine pour dire qu'elle est négative. Il faut prendre 3 pots d'urine 3 jours successifs. Et la première fois, c'est bon parce que c'est le premier jour où tu l'as screenée qu'elle dit oui et elle te donne le pot. Mais le deuxième jour, quand tu vas chez elle maintenant, c'est assez compliqué. Donc, vous êtes obligé de retourner à plusieurs reprises et vous avez maximum 1 à 2 semaines pour pouvoir avoir ces échantillons chez elle. Donc, il y a le deuxième pot et le troisième pot qui sont difficiles à prendre. Il y a également le fait que quand l'urine n'est pas suffisante, que vous lui demandez de reprendre, c'est assez compliqué vu déjà que les femmes enceintes, elles ne sont pas... je suis femme, je ne dirais pas qu'on est compliqué, mais en général, elle n'est pas réceptive. Quand vous revenez, c'est petit, il faut ajouter. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est également à l'embariné au Gabon en général. Les gens se déplacent beaucoup. Et donc, quand tu l'as une fois, la deuxième fois ou la troisième fois, tu ne l'auras plus parce qu'elle s'est déplacée et elle va mettre du temps pour revenir. Où elle est partie dans son village et elle ne revient pas. Donc, il y a la possibilité de ne pas avoir l'échantillon, le nombre d'échantillons adéquat pour pouvoir avoir un résultat correct si on va suivre le protocole correctement. Aussi, il y a le fait que l'acceptabilité de ces études demande beaucoup d'explications. Parce que si c'est juste le diagnostic que tu lui fais, c'est vrai, on fait le diagnostic, elle n'est pas payante, c'est un essai clinique et tout. Mais avant qu'elle n'accepte, il faut vraiment sensibiliser, il faut aller dans les détails de la sensibilisation, la mettre au courant et la mettre en confiance par rapport au fait que ça ne lui fait rien. Mais malgré cela, il y a le fait qu'elle doit aller, la plupart d'entre elles veulent aller demander l'autorisation à leur mari ou à leur maman, ça dépend des tranches d'âge de femmes et tout ça. Ça, ce sont des challenges que nous rencontrons. Et il y a également le fait de la distance. Les localités sont distantes. Il faut aller dans les villages et les gens ne sont pas très d'accord parce qu'elles ne comprennent pas réellement quand vous allez dans le village. Ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Alors, on prend le temps d'expliquer et ça, c'est parfois du temps qu'on perd, mais au finish,
ça nous permet de gagner la patiente et puis de faire ce qu'il y a à faire. Ça, c'est quelque chose de très important à dire, en fait. Donc, il faudrait qu'il y ait plus de sensibilisation au plus haut niveau. Ce n'est pas seulement au bas niveau qu'il faut faire des sensibilisations. Et aussi dans le sens que le diagnostic de schisto n'est pas dans les habitudes des sages-femmes, n'est pas dans les habitudes, dans les consultations prénatales. Et ça, c'est un gros problème parce qu'il faut déjà sensibiliser le corps médical qui fait ces consultations prénatales dans les hôpitaux et tout ça, qui vont accepter vous laisser du temps pour sensibiliser ces dames qui viennent en consultation, parce que pour elles, ça rallonge la consultation quand vous prenez le temps de le faire. Donc, il faudrait que le diagnostic de schistosomose entre dans les habitudes pour permettre de mieux. Ça, c'est un gros challenge sur le plan médical, en fait. Il faudrait que ça rentre dans les habitudes. Ce n'est pas dans les habitudes, dans les consultations prénatales. Est-ce que je peux dire? Tout à fait, ce serait très utile, surtout que a priori, il y a déjà des prélèvements d'urine dans ce contexte. Donc, un travail de longue haleine, mais un soutien à un plus haut niveau vous serait très utile. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. À vous, Janine. On a déjà entendu un petit peu, mais n'hésitez pas à rentrer dans le détail. Oui, dans le cas des sites, donc on a beaucoup de sites et l'une après l'autre a une particulière assez différente. Donc, en majorité, c'est la distance pour vous et pour nos femmes. Donc, une de nos sites la plus éloignée, je crois que c'est à plus de 200 kilomètres. Donc, pour nous, les déplacements et aussi pour les femmes qui viennent assez très trop loin avec assez de difficultés pour venir au niveau des CSPD, là où on fait l'entretien. Donc, en plus, la femme est enceinte, elle va venir à pied au CSB et c'était très, très difficile. Donc, c'est pour ça qu'on travaille mutuellement avec les agents communautaires de santé qui sont en fait notre pilier de coordination sur les 42 sites où là où nous travaillons. Donc, à part ça, il y a aussi le problème d'insécurité qui nous touche surtout sur les régions les plus éloignées. Et l'année dernière, par exemple, cette année en fait, on a eu les cas de cette insécurité qui a fait un peu de dégâts sur notre étude, mais grâce à Dieu, on a pu rattraper ça. Donc, c'est un gros challenge pour nous. J'imagine absolument. Merci beaucoup de ces éléments. Thank you for your answers. I'm just going to move on to some of the questions in the Q&A. I know, thank you so much. Our speakers have been very calm, but behind the scene, multitasking and answering lots of questions in writing as well as listening to what we're saying here. So thank you for that. If you don't mind, I might just pull out one of those questions and discuss it out loud for some of our audience who may not be on the chat. And that was specifically looking at the application of these diagnostic tools. So whether that is just specifically useful for schistosoma hematobium or whether there are other species that the performance of the CAA and CCA tests would be good for. And perhaps I'll hand over to Govert. I think the questions were addressed to you in the Q&A tab.
We have been able to detect both CA and CCA in all the cisto species that we could get samples from. So all the veterinary ones that that were accessible to us, like Matei, Bovis, Curassoni, what was the other one, and some of the others as well, including even from the Indian Nasala and Spindala, or the American Heterobilharzia. CAA and CCA seems to be very widely produced by all the cisto subspecies, but not by the closely related species like Fasciola, or what is it, Paragonimus, and the others. Couldn't find it there, but we did find it in all the cisto species, even the animal ones. But the levels of the CAA CCA production are different in the different species. So that's what we're trying to explore now a little bit more, to see to what extent all the levels differ between the species. Thank you very much, Govert. Something that was mentioned in Josiane's talk. Josiane, vous avez mentionné dans votre présentation un lien entre le cholestérol et la schistosomiase. Josiane mentioned a link between blood cholesterol and schistosomiasis, and Chimere Agomo was just asking what is the connection between the two? Oui, j'ai mentionné cela. On a fait une étude à Lambaréné en recrutant les personnes diabétiques pour le diabète 2, de type 2, et on a remarqué que dans le sérum de ces personnes et atteints du diabète et qui sont infectés par schisto, il y a une association, il y a un niveau, ces personnes ont un niveau bas de cholestérol, en fait, comparé aux personnes non infectées par schisto, par exemple, par schisto et qui sont diabétiques. D'où l'association, ça c'est une première étude, on va dire une étude pilote qu'on a fait, mais cette étude est une plus grande application pour faire une étude avec une grande population est nécessaire pour pouvoir dire correctement ce qui est en relation avec schisto. Mais il faut dire que schistosoma hématobium n'est pas uniquement néfaste pour la population. Déjà, on sait que les helminthes en général ne sont pas néfaste pour tout le monde. Dans le cas de l'asthme, par exemple, il y a un lien, mais parlant de diabète et des personnes obèses, le niveau de cholestérol est diminué chez ces personnes diabétiques, obèses, qui sont infectées par schisto comparé à ceux qui ne sont pas infectés par schisto. Ça, c'est quelque chose que nous avons rapporté. C'est pour cela que j'ai parlé de cet aspect de schisto, en fait. Très bien, merci beaucoup. Thank you. A question here, which we talked briefly about earlier on, looking at kind of access to treatments and to diagnostics. And I just wanted to come back to that. There's a question here from David Rollinson. The new WHO guidelines recommend that health facilities provide access to treatment with praziquantel. In your experience, will it be possible to do this in Gabon and Madagascar and to have the capacity to do the diagnostics? Peut-être, Janine, on pourrait commencer avec vous. Est-ce que je traduis la question en français? S'il vous plaît. J'espère que je ne vais pas me tromper. Donc, l'OMS recommande que les centres de santé puissent distribuer le traitement praziquantel. Pensez-vous qu'au Gabon, à Madagascar, par exemple, il sera possible, ou quels seront peut-être les challenges, les problèmes, avec d'avoir la capacité de faire les deux, et distribution des traitements et ainsi que les diagnostics? Ou peut-être quelles sont les ressources qu'il vous faudrait en premier lieu pour vraiment soutenir? Oui, les cas ici à Madagascar, donc pour le cas de Madagascar,
l'accessibilité aux tests et ainsi qu'au traitement est encore assez limitée. Parce que même si on prenait, par exemple, les 21 sites ou les 42 sites où nous travaillons, donc en général, les CSB ne disposent pas de stock. Et il faut, et en monde, là où on vit, dans les campagnes, dans le monde moins accessible, donc c'est très très difficile pour les tests aussi. Et même ici en ville, c'est difficile l'accessibilité aux tests. Donc on est encore très très loin pour l'accessibilité aux tests et aux traitements. Très bien, merci Jacqueline. Josiane, souhaitez-vous rajouter quelque chose? OK, pour l'achat de pour la provision, l'approvisionnement en pratique en tel. C'est cela, si je ne me trompe pas, Marianne. Oui, c'est cela. Et aussi, d'un point de vue logistique, aussi la capacité sur le terrain d'administrer et de gérer les traitements, mais aussi les diagnostics et ce qu'il vous faudrait comme soutien en particulier. Le soutien, généralement, proviendrait par rapport au pratique en tel. Nous avons un problème avec ça généralement parce qu'on a comme partenaire local le Programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées qui, au début de cette étude, nous a fourni du praziquantel. Mais il faudrait dire que le praziquantel donné au programme vient généralement en retard. C'est ce qui est remarqué. Et quand le programme vous donne du praziquantel, c'est généralement vers la date d'expiration est déjà là. Ce que nous n'utilisons pas dans un essai clinique. Donc, nous sommes obligés d'en acheter. C'est très cher, le praziquantel, quand vous l'achetez de façon locale. Il coûte, je dirais, au Gabon, le prix, c'est de 10 000 francs CFA pour 4 comprimés, un peu plus de 10 000, 11 000, quelque chose comme ça, pour 4 comprimés. Ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas évident pour les personnes infectées par schisto d'aller acheter ces médicaments. Ce qui fait que nous, dans les essais cliniques, nous payons le praziquantel, mais l'acheminement ne vient, c'est pas la logistique est très difficile généralement, mais comme c'est un essai clinique, ça vient à un moment donné et puis on continue l'étude. Ce que je dirais, c'est qu'il faudrait que les goûts, je pourrais dire qu'il faudrait qu'il y ait du praziquantel dans les pays parce que les traitements en masse sont faits, généralement, ce que nous avons remarqué, c'est fait quand le praziquantel est, déjà la date d'expiration est proche. Et ça, ce sont des choses que nous remarquons et il faudrait vraiment que ce ne soit pas le cas. Et là, les aides qu'il faudrait, c'est de pouvoir disponibiliser du praziquantel vu que c'est très cher dans la population, en fait. Et nous, pour l'administrer, généralement, les femmes enceintes vous disent c'est un comprimé trop gros, moi, je ne pourrais pas prendre ça. Quand je prends, je vais vomir. Même si elle n'a pas envie de vomir, le fait de voir le praziquantel déjà, elle vous dit je ne prends pas. Il est déjà arrivé où on a vu, on doit traiter la femme parce qu'elle est randomisée et il faut la traiter. Et elle vous dit je ne prends pas. La raison, c'est trop gros, par exemple. Où l'odeur me répugne, je ne peux pas prendre cela. Ça, c'est des choses auxquelles on assiste et il faut beaucoup de dialogue avant qu'elle n'accepte, si elle veut accepter. Certaines refusent, certaines non. Donc, ça, c'est des choses que nous vivons. Oui, il faut y penser, je connais ça aussi. Merci beaucoup. Govert, would you like to add anything? Govert, sorry. Would you like to add any thoughts to this? Maybe I can add a thought. Sorry. Obviously, when there is no praziquantel available in primary healthcare clinics or in the country at all, then you can wonder about the necessity to test. On the other hand, I think it's something that goes hand in hand. When you know about the prevalence and to some extent the intensity of the disease,
then there will also be becoming a demand for the price of Quantel, which hopefully will make it easier to get the medicines into the country. So it's a bit of the chicken and the egg, but I think in general it should go hand in hand, that knowing about the disease will also necessitate the health authorities, or maybe even commercial settings, to commercial parties to make the medicine available for countries. The test itself is very easy to do. I mean, it's just a lateral flow test. Anybody can do it. And I think with the area of COVID testing, and that so many people have been doing COVID testing, that it's not that difficult for anybody to do such a lateral flow test and to see that two lines is positive, one line is negative. So everybody will understand that now. And what my personal hope is with relation to this as well, is that the whole one of the positive outcomes of the COVID crisis is that the production of the diagnostics will be made much easier and faster and cheaper as well. So maybe that could be a positive spin-off of the whole COVID pandemic, that now also for other diseases, of course, not only schisto, but for a lot of other diseases, there will be rapid tests available and that people can use them who really need to do it. That's great, and actually provides a great link to my next question, which was going to be about training and capacity building in this context. What you've said is very encouraging. Of course, we're all experts now in the rapid tests. But do you feel, Josiane et Janine, vous-même, je demandais à Govert et vous-même, pensez-vous que d'un point de vue de la formation, ou de la capacity building, désolé, je n'ai pas la traduction en tête. Auriez-vous des conseils, Govert? Did you spot anything that could be supported far more? And also, when we come to Janine, there was a great question for you from Pia Roche. What would your recommendation be for other young researchers starting with their first field experiences? But perhaps, Govert, since you mentioned issue of skills-based, are there any other aspects which would require more capacity building, more training, that you can foresee? We did the training, obviously, in Gabon and Madagascar with the team from our lab, and I must really commend the teams there and compliment them with the way the tests are being done now. I mean, there has usually been just one training session with a number of people, and of course we give support over for email and other type of communications, but in general the tests are done very well, so that is also in the whole collaboration it's very nice to see that there are enthusiastic teams who are also well capable. But of course there is a capacity building that has been done, and that requires continuous attention. But in general, the tests are apparently not that difficult to do, even in the lab format, with a little bit extra data analysis and data interpretation with respect to the CAA test. The CCA test is easy. I mean, you can read it visually and score it, but the CAA test requires Excel management and all that stuff behind. So with respect to that capacity building, and what we would really like to see and what is also needed, is some kind of external quality assessment schedule. So that is not as such in place. We are running that from our lab, doing that on an individual lab-to-lab basis, but it would be nice to be able to make that larger and to set up a system like that, which would also support the local laboratories into some kind of quality system. Super, thank you. Josiane, à vous. Oui, Fribilly a permis de faire beaucoup d'améliorer la compétence en laboratoire des collègues de laboratoire, et aussi d'apprendre de nouvelles techniques, ce qui est très important dans le diagnostic, parce que je dirais que c'est une formation continue. C'est pas quelque chose qui s'arrête à une seule formation, et c'est dans Fribilly, c'est des formations continues qui sont faites régulièrement, et moi-même je participe à cela avec
les collègues de laboratoire. Je suis médecin, certes, mais je travaille beaucoup en laboratoire. Et ça a permis de pouvoir, pas seulement pour Fribilly, pour d'autres projets également qui utilisent la plateforme de parasitologie. Et je dirais aussi que ce projet m'a impacté personnellement sur le plan de l'autonomie, c'est pas de l'autonomisation en tant que telle, mais de pouvoir prendre, en tant que jeune chercheur, de prendre en charge une étude depuis le début et qui va à sa fin actuellement. Donc, sur le plan, c'est ce que je peux dire par rapport aux capacity building. Merci bien. Et à vous, Janine. Oui, en tant que jeune chercheur aussi, donc Fribilly m'a vraiment beaucoup aidé à pousser même si un peu petit, mais ça m'a permis de s'ouvrir sur une nouvelle fenêtre sur, en termes de recherche. Et une étude comme Fribilly, c'est bénéfique pour un pays aussi comme le nôtre, de nous avoir un pas, de réussir à quelque chose. Donc, pour moi, donc, comme Zoziane a dit, donc, il faut qu'on ait une continuité d'une étude comme ça. Comme ça, on pourrait nous élargir. Merci beaucoup, Janine. Vous avez de plus en plus de questions, en fait. Je pense que vous inspirez beaucoup l'auditoire aujourd'hui. Ce n'est pas surprenant, le projet est très intéressant. Donc, je continue avec les questions. Lots of questions coming in. I hope we'll have time to answer them all. But if not, our speakers have been really great at also answering in writing. So I'm sure we could always field any more questions that come up during the rest of the session in case we run out of time. But for the time being, I mean, we normally talk a lot about stool in any diagnostic talk for schistosomiasis, but today let's talk more about urine for a little bit, for a change. And so there was a question here from Stephen Bremer asking, in terms of storing the samples, what sort of time window is there in order to store any urine or blood samples related to some of the tests that you've described? Perhaps I'll go back to Govert. And also linked to that, there was a question here from Umi Bo, a question in French. How would, for example, urinary filtration, how would that compare or, you know, relate to some of the tests and procedures that you've described? Now, the advantage, as I said in my in my initial presentation, the antigens are highly stable. And indeed, even to our surprise, if you forget about your samples for holiday and you leave them on your table, they are still okay. So there's not much requirements with respect to sample collection. You can collect them in the field and, you know, and then bring them to the lab. And even that, if that takes a couple of days, then that is still fine. Of course, for long time storage, you want to freeze them. But also keeping them in the refrigerator is okay. But I mean, they are biological samples, so they go bad by themselves eventually over time. So that's what you want to avoid. But the antigens themselves, they are not hindered by it. So that is really a very positive thing. And the same applies for the antigens in the sera. Yeah. Wonderful. Josiane, souhaitez-vous rajouter quelque chose? Non, ça va. Ça va. Janine également, au sujet des samples, des prélèvements, pardon. Oui, pour nous, en fait, les prélèvements, donc pour les urines, là où on fait dans le site normaux, donc les urines sont généralement
amenés au laboratoire chaque semaine de façon cyclique. Tandis que pour le son, et donc on dispose déjà sur les sites de formation, là où on fait le prélèvement de son, des réfrigérateurs pour la conservation. Merci. Et something that perhaps you touched upon, Josiane, in terms of pregnant women, was the challenges there in collecting samples. But there's an interesting question here by Jean Koulibaly. And thank you, because you have responded to it in writing. But just for our other audience members who might not be on the chat, Jean was asking, for the infants, which approach has been used to collect the urine for those who are between 0 and 24 months, since I know that this is sometimes challenging? Yeah, it's a great challenge to collect urine sample from children. So what we are doing is to use the urine collection bag. We bought this, and then this is the one we use. But even with this, it's not... is a big challenge, because the mother need to maintain the bag, and then sometimes the bag is removed by children because he is playing around, and is difficult. But we are doing our best to collect the sample, so that's why the number of sample in children is not the same as the number of mother we have in the court. So this is a great challenge. So you need to have the correct bag, the urine collection bag, which is suitable for the children. So this is the one we are using. Brilliant, thank you. And perhaps to kind of bring all of the things that we've spoken about today, and particularly as the FreeBilly project does focus on pregnant mothers as well as under 5-year-olds. Just a couple questions here, rethinking a bit about the approach to antenatal care and screening, but also some other issues and illnesses in terms of women's health. I'll just combine two questions, if that's okay. One of them is from Dr. Amadou Wuri Diallo from the Ministry of Health, Gambia. Thank you for your question. Is there any screening done to also take into consideration the link between female genital schisto and other sexually transmitted infections, particularly HIV? Also another question, which I've lost on my screen. It was asked, here we go, by Janice Lasdins. Ideally, at what point during pregnancy would the testing be of most impact? I mean, two different questions, but perhaps what I'm trying to ask is some of your thoughts on how we could reimagine some of the primary healthcare towards women, particularly pregnant women, to perhaps bring all of these threats to health under one umbrella of care. And how can what you've learned in your diagnostics journey help towards that? Maybe Govert, if you'd like to go first. Yeah. I hope I don't have to translate my very long question into French. To start with the second one. Obviously, if you want to if you want to protect the embryo in a pregnant woman from the effects of schistosomiasis, then the earlier the better in pregnancy, I would say. But we have not particularly tested that, so I can't answer that question based on scientific data, but just on common sense. If a mother is infected, then the earlier she gets rid of the disease, the better. And then the second question about FGS and other sexually transmitted disease, we have not particularly study that in this study, so I can't answer that from FreeBilly. But in general, you need to know if somebody is infected before you can address the problem by treatment or by other means.
So again, I would say to take action upon the problem of female genital schistosomiasis and as well as male genital schistosomiasis, you need to know where the problem is and which people are affected by it, and then you can study. And that's where usually the limitation, because it's very difficult in general to diagnose women who are suffering from female genital schistosomiasis. And I think the antigen diagnosis can be a help for that, but they cannot be the final answer because not every schisto-infected person develops also genital complaints. So, but of course, it's a requisite that in order to get female genital schistosomiasis complaints, then you need to be infected. So that's a start, but the test that we are working on are not specifically for female genital schistosomiasis. As such, there need to be other diagnostics added to that. Great, thank you. Josiane, souhaitez-vous ajouter quelques pensées? Je vous répète la question peut-être. C'était juste dans un sens un peu plus large, et comme en particulier vous êtes vraiment centré sur la santé de la femme enceinte, est-ce que vous auriez quelques idées ou quelques suggestions, soit dans le suivi anténatal de la mère ou même plus généralement dans la santé des femmes, d'intégrer vos diagnostics au sein d'une approche plus large de la santé de la femme? Quels sont, pensez-vous, les points où on peut avoir un impact, ou comment on pourrait repenser un petit peu le suivi de la femme, enceinte ou non, pour penser aux choses comme la schistosomiase génitale, le VIH, aussi le suivi de la femme enceinte, etc. Bon, je dirais, vu qu'on parle de schisto, on va parler des FGS, je dirais qu'il faudrait intégrer dans le suivi de la femme enceinte en consultation prénatale le diagnostic de schisto, qui doit être systématique et ne doit pas être parce que la femme se plaint de certains symptômes, en fait. Donc, pour moi, il faudrait que ce soit intégré lors de la première consultation prénatale. Maintenant, concernant le traitement qui est recommandé par l'OMS à donner à partir du deuxième trimestre, il va falloir que cette stratégie soit mise en place pour que la femme testée soit traitée automatiquement. La stratégie de tester et traiter doit être intégrée dans nos habitudes pour un meilleur suivi de la grossesse chez la femme enceinte. Parce que schisto, comme on sait, a assez de complications chez les enfants, ce qu'on a essayé de montrer tout à l'heure dans nos présentations. Également chez l'enfant, selon les régions, ce n'est pas toutes les régions où les mères vont dans les rivières avec les enfants, mais en général, les enfants s'infectent assez facilement quand les mamans les lavent dans les rivières ou les rivières, les cours d'eau infectés par schisto. Bon, quelqu'un a posé la question tout à l'heure de savoir dans le chat s'il y a des infections déjà entre 6 mois et 24 mois. Oui, nous avons déjà vu des résultats où les enfants déjà à 3 mois sont infectés par schisto. Est-ce que c'est de la mère à l'enfant? Non, nous ne pouvons pas le dire parce que nous n'avons pas d'évidence pour cela. Mais nous savons que selon les habitudes, les mamans, généralement, quand elles vont à la rivière ou dans les cours d'eau, amènent les enfants, ce qui s'asseye dans l'eau, elle est en train de faire son ménage ou en train de laver ses assiettes et tout ça, et l'enfant peut être facilement infecté par schisto dans ce cas. Dans l'intégration de la santé de l'enfant, je dirais qu'il faut un suivi sur le statut vaccinal de l'enfant dans les SMI, parce que c'est très important, étant donné que les mères en général, ça dépend des régions, je dirais que ça dépend des régions, c'est pas partout que les mamans ne sont pas amenées à amener leurs enfants pour les vaccinations, mais il y a beaucoup d'endroits au Gabon, par exemple, où les mères sont pas réfractaires, mais dû à du fait que la vaccination de 0 à 9 mois n'est pas payante, c'est gratuit,
Après 9 mois, quand elles n'ont pas vacciné leurs enfants, elles doivent pouvoir acheter. Elles ne font pas vacciner les enfants, par exemple. Il faudrait que les programmes soient revus pour que les vaccinations, surtout pour les enfants, soient gratuites jusqu'à un moment, au moins pour les premiers vaccins qu'on donne aux enfants. Et voilà, pour Schisto et pour d'autres points, d'autres aspects, il faudrait que ces choses soient intégrées et que la sensibilisation de Schisto soit intégrée quand les femmes viennent en consultation prénatale. Ça permettrait également de sensibiliser d'autres femmes qui ne sont pas enceintes pour la santé de la femme, du point de vue de FGS, par exemple, où les gens en général ne savent pas de quoi il s'agit, et toutes ces informations pourraient aider à comprendre quels sont les réels impacts de schisto qui semblent ne pas avoir d'impact sur la femme, parce qu'on ne vient pas à l'hôpital à cause de schisto. On ne vient pas, on ne sait pas en général qu'on a la schisto quand on vient à l'hôpital. Généralement, elles ne savent pas. Donc, il faudrait que tout ça soit intégré dans le programme du suivi de santé de la femme en général et surtout de la femme enceinte. Je peux dire. Merci beaucoup, docteur Josiane. Et Janine, pour vous, le mot de la fin? Oui, en fait, oui, comme Josiane a dit, donc le test de dépistage ainsi que le traitement sont inaccessibles pour les cas de nos participantes. Donc, il est nécessaire d'intégrer cet nouveau dépistage de la bilharziose ainsi que le traitement pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Donc, plusieurs programmes sont déjà en place parmi les centres de santé ici à Madagascar qui reconnaissent l'importance de la santé maternelle et aussi de l'enfant. Donc, il serait bien d'avoir intégré ces systèmes dans le cadre aussi de la consultation prénatale, de vaccination et de dépistage. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Malheureusement, on termine avec encore plus de questions qu'on avait au début, car vous nous avez énormément inspirés, vous nous avez donné beaucoup de choses auxquelles penser. Govert, thank you so much. We still have questions. We have more questions than we started off from because you've given us so much food for thought. It's been a fantastic session, but sadly, we're coming up to the end of our allocated time. So perhaps any further questions could be addressed directly to our speakers, or hopefully we will soon also have an eagerly awaited follow-up to this session and to the many, so hopefully, the successes of the Free Billy project. So we'll be keeping an eye on that. If you would like to find out more, there are quite a substantial number of publications that have come out around the Free Billy project. So please don't hesitate to check in our chat first and foremost, or just kind of search on the Free Billy website and through the publications. A huge thank you also to Anouk Gouvras, who has been posting, as always, the right link and the right resource at the right time, and to the whole team at the GSA, the Global Schistosomiasis Alliance, for this wonderful session. Thank you to everyone who tuned in today. And finally, again, a very warm and thank you to our speakers who've really made this a very enlightening and enjoyable session. So on that note, I'd like to wish everyone a good afternoon. Thank you so much for tuning in, and we look forward to seeing you all very, very soon on the platform. Thank you very much, Marianne, and all the others. All the best. Un grand merci à vous tous et à très bientôt, nous l'espérons. Oui.